Mercredi 12 juin, Kate Middleton s'est rendue à un dîner de gala organisé par Action en Addiction, une association dont elle est la marraine. L'épouse du prince William a illuminé les rues londoniennes, vêtue d'une longue robe blanche immaculée à épaules dénudées. La duchesse de Cambridge nous éblouit une fois de plus avec son look du jour. Depuis des années, Kate Middleton ne cesse de nous surprendre avec des looks toujours plus travaillés et sophistiqués, à la pointe de l'élégance britannique. Mercredi 12 juin, l'épouse du prince William n'a pas dérogé à ses habitudes, et est apparue dans une tenue sublissime, qui soulignait sa fine silhouette. La duchesse de Cambridge s'est rendue à un dîner de gala organisé par Action en Addiction, une association dont elle est la marraine depuis 2102. L'organisme caritatif aide les personnes dépendantes à lutter contre les addictions, et à se réinsérer dans la vie professionnelle. La mère de famille de 38 ans est donc apparue dans les rues de Londres tout sourire, pour le plus grand plaisir des photographes. Pour sa sortie du jour, Kate Middleton portait une longue robe blanche immaculée en mailles serrées en coton, au col bardeau, à manches longues, à la longueur midi. Une tenue à la fois classique et féminine que l'on doit à la créatrice londonienne d'origine brésilienne Barbara Casasola. Pour accessoiriser sa tenue, l'épouse du prince William a misé sur une paire de talons argentés à paillettes signés Jimmy Choo, et une minaudière assortie à strass signée Wilbur et Gussie. Un savant choix qui vient réveiller son look monochrome. Les admirateurs de Kate Middleton savent que ce n'est pas la première fois qu'elle porte cette robe. Et pour cause, la belle-sœur de Meghan Markle l'avait déjà portée en 2016, lors d'une remise de prix organisée au Musée d'Histoire Naturelle de Londres. On your own, but